Un fait de match donc qui a évidemment euh, et qui fait toujours euh, beaucoup parler, et, et évidemment sur ces satanés réseaux sociaux, c'est cette décision de l'arbitre Marsignac nous on le connaît bien, on se souvient de certaines décisions qu'il avait prises Final aussi en de finale, coupe finale de Coupe du Monde, n'est-ce pas euh, Et là, il a sifflé un hors-jeu sans laisser l'action se terminer. Pour Thomas Tuchel, ce n'est pas une décision normale. Je uh, football Selon moi, il n'y a aucun doute que cette décision va à l'encontre de toutes les règles du football moderne. La première grosse erreur vient du juge de ligne. Il a fait cette erreur sur une action dans le temps additionnel. Lever son drapeau sur cette dernière action quand tu n'es pas sûr qu'il y a hors jeu à 100 il faut vraiment oser avoir le courage dans une situation comme ça. C'est une énorme décision et c'était la mauvaise. L'arbitre derrière a encore une chance quand il voit ça et que l'on gagne le deuxième ballon, que l'on gagne le rebond, que l'on tire dans les cinq secondes qui suivent. De ne pas siffler. Et là, il prend la décision de siffler. C'est contre toutes les règles, je suis désolé. On l'accepte, bien sûr, on a perdu, c'est comme ça. Mais ça ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid. Etienne Moati, est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il y a encore. Un arbitrage favorable pour le Real Madrid Alors, Thomas Tourel, il a l'habitude d'être euh, véritablement excessif. Là, pour le coup, de mon point de vue, il ne l'est pas. C'est une erreur, mais énorme, colossale erreur qui a été faite hier soir. C'est absolument incroyable. Euh, pas parce que c'est une erreur d'arbitrage, mais parce que c'est une erreur technique majeure. De méthode. Euh, erreur de méthode et exactement euh, c'est clairement établi maintenant depuis plusieurs saisons qu'on laisse l'action se terminer et, et que on voit après euh, si euh il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu. Qu'est-ce êtes... qu'on peut imaginer que c'était dans la précipitation On était à la 14e minute ou 13e minute de temps additionnel. De temps ouais. additionnel. Il y en avait eu sans arrêt parce que des joueurs avaient des crampes, se blessaient, rentraient, sortaient. Bah, je dirais que c'est même est -ce encore que, pire parce que c'est à ce moment-là du match, d'ailleurs à aucun moment on est censé prendre des risques, mais à ce moment-là du match, il n'y a aucun risque à prendre. L'arbitre de, de touche doit évidemment pas lever son drapeau, laisser l'action la, aller jusqu'au bout. Je dirais même que l'arbitre central, même s'il voit son arbitre de touche lever son drapeau, mais pourquoi est-ce qu'il siffle immédiatement comme ça Parce que tout le monde s'arrête. C'est une deuxième euh, erreur. Tout mais évidemment, tout le monde ah. s'arrête et derrière, il n'y a plus de possibilité d'aller voir le var. Si vous êtes aujourd'hui bavarois que vous avez égalisé dans les arrêts de jeu après avoir été repris comme ça par le Real et que vous êtes sorti et que vous n'allez pas en finale de, de Ligue des Champions, enfin, je vous laisse imaginer, c'est arrivé à un club français ce qu'on dirait aujourd'hui. <laughs> Donc, il euh, y a eu euh, erreur et finalement, ah, le Real vrai. est là. Euh... Non, et alors, Par chance. Il, là, là où il faut nuancer euh, ce que dit Étienne, qui est tout à fait juste, c'est une véritable erreur de méthode, c'est tout à fait choquant que l'assistant le, le, ait levé ce drapeau, c'est une véritable erreur, il a entraîné M. Marsignac qui a dû penser, parce qu'il lève le drapeau quand vraiment le hors-jeu est totalement évident. Et que ce n'est pas la peine d'aller euh, mmh. laisser continuer une action et qu'un attaquant se fracasse sur on un gardien est pas de but. En, on n'est on pas en près de la surface de réparation à ce moment-là oui, précisément. Tout, enfin, oui, enfin, on, on est, est entre un... la ligne médiane oui, et la surface. Ah oui, non, près. Non, 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 on est pratiquement dans la surface. Mais disons que c'est un ballon douteux. D'ailleurs, on est, on est, c'est la seule nuance que j'apporterais à ce que dit Étienne parce que la, la faute, elle est, elle, elle est mmh. réelle. On ne comprend pas ce que. Est... On ne comprend pas, même si ça arrive de temps en temps. On voit parfois des assistants qui lèvent trop tôt, et puis les arbitres ont le réflexe de suivre tout de suite parce que l'arbitre, il se dit bon, s'il si lève, c'est que c'est qu'à qu deux mètres quoi. Mm -hmm. et, et du coup, j'exonère un peu l'arbitre parce que si l'autre lève, il se dit bon, bah, c'est qu'à deux confiance. mètres, il n'y a pas de problème. Mm. Et là où je, je nuance un peu ce que dit Étienne, c'est qu'en fait, tout le monde a. Les joueurs arrêtent un peu de jouer parce qu'ils sifflent très tôt, effectivement. Oui. Donc on, on ne sait pas forcément s'il y aura eu but. Bah non. Et là où je, je nuance aussi, parce que bon, ça fait on beaucoup voit... de nuances tout ça. Oui, oui, bah bah oui. oui parce que vous voyez les, des joueurs qui s'arrêtent quand même, qui jouent pas vraiment le, qui jouent pas complètement le coup. Et puis l'autre, l'autre, l'autre bah nuance, bah j'ai oublié. Oui, c'est que coup, ça, faisait ouais. trop de nuance, non, ouais. ça faisait trop de nuances. Ouais. Non, mais non. là, on, on parle quand même d'un arbitre qui est censé être un des meilleurs arbitres du monde. Oui, non, l'autre monde, pardon. Et, 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 ses, et ses assistants avec lui. Euh, je, pour moi, c'est une, une erreur colossale. C'est-à-dire qui oui. va impacter d'ailleurs la suite de la carrière de, mmh. de, de Marcignac, parce que euh, Plutôt son assistant, je dirais. Euh, le, 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 la sienne aussi, j'en suis persuadé. Hein, parce que euh, vous, vous faites une erreur à un moment donné. Aussi importante, une erreur aussi importante dans un match aussi important, dans des arrêts de jeu qui sont aussi importants, c'est trop. Oui, dans juste une nuance aussi par rapport à des complotistes qui imaginent plein de choses, au moment où l'assistant le, le, lève le drapeau, on peut pas dire que l'action de but soit constituée on sait pas du tout qui va y avoir ça qui le ballon va être récupéré une première fois puis, une, puis par un autre joueur qui va tirer on n'en sait rien du tout et donc on peut pas imaginer enfin moi je n'imagine pas une demi-seconde que ce soit un, un arbitre complot, un complot qu'il qui, qui, qui ait voulu protéger le Real même sans ça de, ça, fait de toute bêtise. façon c'est une grosse bêtise il euh, n'y a, a, a pas d'arbitre aujourd'hui acheté euh, par un club ou un autre ça c'est vraiment un fantasme de supporter il est espagnol oh, bah, bah. il est des désormais international, hein, il, a il a 34 con... ans, un truc comme ça. Oui, il a 34 ça, ans et, ouais, ouais. et il a été convoqué pour ses premiers matchs très très récemment. Donc, ouais. c'est une récompense absolument. Et il marque en sélection. Et il... aussi, <laughs> aussi, exactement. Et, et il marque aussi beaucoup avec le Real parce qu'il joue très peu, oui, mais il marque et il beaucoup. Rentre, il rentre son ratio hein. voilà, donc absolument est absolument incroyable. C'est une histoire qui est incroyable, mais c'est une histoire que je dirais qui est il devient presque un tout petit peu moins incroyable ces derniers mois parce que c'est un joueur mmh. qui se révèle à un très haut niveau sur le tard alors c'est rare à ces âges là normalement on est plutôt ouais. en train d'essayer de penser à sa fin de carrière et, et atterrir dans un, Il dans me fait un penser club au buteur comment s'appelait le buteur de Bilbao une fin de carrière fantastique à ah, je, je, je je sais sais ça, C'est ça, c'est si un nom à peu près comme ça. Donc, euh, il est aujourd'hui euh, en sélection, titulaire. Enfin, c'est un parcours assez, assez incroyable. Incroyable. Et alors, un scénario incroyable, Étienne. Hier, on Incroyable et classique comme d'habitude. <laughs> oui, alors, euh, c'est vrai. Euh, et avec le Real, euh, on est, ne on est, on les appelle pas les later Real, mais on pourrait aussi leur dire euh, de, de renverser la tendance comme ça et puis de, de se dire, mais il va encore se... De passer quelque chose. On est à la 87e minute, on se dit il va, et il se passe quelque chose. Mais surtout, peut-être Étienne Manuel Neuer fait un, un, un match parfait jusqu'à la 88e minute. Oui, c'est il relâche ce ballon et François est là, le numéro on 9. On a retrouvé l'immense Neuer qui était absolument infranchissable on a dans toutes les, que, les parades voilà, possibles. On a l'impression que, que c'est impossible de lui marquer un but et qu'il va amener le, le Bayern en, en, en finale. Et puis, voilà, il fait cette boulette parce que c'en est une. J'irai vraiment il relâche un, un ballon facile et derrière, tout s'enchaîne pour le Real. dirais comme d'habitude, avec on égalise, on prend l'avantage et pour que le match soit absolument euh, fou. historique et fou, un peu comme tous les matchs du Real, bah, la polémique énorme de fin de match avec. <laughs> on va y venir. Voilà, hein. ce, mais, sinon ça n'aurait pas été drôle. Ouais. <laughs> oui. Alors simplement j'aurais voulu aussi euh, qu'on s'arrête peut-être c'est sur les changements auxquels procède Thomas Tuchel parce que il va peut-être vite en besogne pour conserver le le résultat et notamment en sortant Hurricane euh, Philippe parce que on va l'entendre sa colère après mais oui, peut-être fait... qu'il s'est trompé aussi. Peut-être. Mais on touche, tout le monde peut juger. Après c'est toujours difficile parce Bien que lui, lui vit avec son groupe toute la semaine. Toutes les semaines, et il sait qu'un euh, tel est fatigué et qu'il faut le changer ou pas. Il fait passer l'équipe à 5 parce que le Real pousse de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de pression sur la défense centrale, euh, euh, qui n'est pas extraordinaire en plus. Donc euh, il sent qu'il y a besoin de faire ça. Est-ce qu'il le fait au bon moment Est-ce que c'est bien de le faire parce que ça donne un signal à l'adversaire la, de presser de plus en plus haut et de, et de, et de pousser encore plus est-ce que c'est bien de faire sortir Harry Kane euh, qui est sûrement très fatigué à ce moment-là Est-ce que fatigué, qui... est-ce que même voilà. fatigué, il n'aurait pas gardé mieux le ballon que Choupo-Moting Toutes ces questions-là, c'est assez facile toujours pour nous de dire après match, même pour eux d'ailleurs. Je pense qu'un entraîneur après match, il pourrait débriefer, et se dire bon là, je me suis gouré, là j'ai fait ci, là j'aurais dû faire ça, etc. Vous en, vous après match, en facile. vous en connaissez Vous en connaissez bah, qui fassent ça ils le, ils le font pas en conférence de presse, mais non. je pense que eux, dans ah, leur oui. bureau, ils se disent euh, tout bon, seul avec eux-mêmes. Oui, voilà, tout seul avec eux. <laughs> mais euh, voilà, bon, c'est vrai que ça paraît, ça paraît des erreurs, ça paraît des erreurs, mais bon, il, il, encore une fois, il est plus proche de son équipe que nous. Mm -hmm. En tout cas, donc on va y venir à ce et fait. Et puis d'autres ont match. été renversés au, au Real dans des fins de match comme ça, mm -hmm. et peut-être qu'ils n'avaient pas fait d'erreurs et ils ont été renversés quand même. Thomas Tuchel et Thomas Müller estiment que le Real de Madrid est favorisé par l'arbitrage. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, est-ce que tu partages l'avis de Thomas Tuchel et de Thomas Müller Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est une autre façon. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver c'est fait. On est parti. Alors, Thomas Tuchel et Thomas Müller estiment que le Real de Madrid est favorisé par l'arbitrage, que le Real joue avec les arbitres. Le Real joue avec les arbitres. Est-ce que tu partages ce point de vue-là Est-ce que tu partages ces points de vue Le point de vue de Thomas Tuchel et le point de vue de Thomas Müller qui sont aussi la même langue d'onde. Est-ce que selon toi, le Real de Madrid joue avec les arbitres Est-ce qu'ils ont les arbitres dans les poches Déjà les gars, Thomas tout fait référence au but refusé à la dernière seconde. Je rappelle ici que ce but là, l'arbitre avait sifflé. Et quand l'arbitre a sifflé, les joueurs du Real ont cessé de jouer. Cela signifie quoi Cela signifie que si les joueurs du Real continuent de jouer, rien ne nous prouve qu'un tacle pouvait sortir pour empêcher la frappe. Rien ne nous prouve. Les joueurs ont cessé de jouer carrément. Donc pour moi, c'est pas vraiment... Euh, c'est vraiment une action à prendre avec beaucoup de pincettes puisque ce n'est pas euh, une action genre on a laissé de l'action hein. on n'a pas laissé jouer l'action la bitra a sifflé et les jeux du Real ont cessé de jouer ils ont cessé de jouer donc pour moi les amis ce but là c'est pas valide moi je suis pas fan du Real je suis pas un pro Real je suis pas un pro bassa moi je dis juste ce qui me semble être logique pour moi ce but ne doit jamais être validé. Maintenant, donc, est-ce que ce réal-là est favorisé par l'arbitrage Parfois, le Real de Madrid bénéficie d'un arbitrage favorable. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, les amis. J'ai un souvenir ici, le de Madrid, Leipzig. Vinicius doit prendre le rouge. Vinicius doit prendre le rouge, mais il ne le prend pas. Vinicius doit prendre le rouge. Son coup de tête, là. Pour moi, c'est le rouge. Hein. Si c'est n'est pas le Real de Madrid, c'est un rouge direct. C'est un rouge direct. Mais comme c'est Vinicius, comme c'est le Real de Madrid, ils sont protégés. Ils sont protégés. Donc pour moi, j'estime que le Real de Madrid, ils ont, ils bénéficient légèrement de l'arbitrage en LDC, au même titre que le Grand Bassin de Guadalupe. Le Grand Bassin de Guadalupe, 2009, 2010, 2011, les arbitres étaient presque avec le bassin. C'était très difficile pour un arbitre de siffler contre le bassin. Il fallait vraiment avoir de la personnalité pour prendre une grosse décision contre le Barça. Le grand bassa de Guardiola. Il fallait avoir de la personnalité. Lorsque tu domines les matchs, lorsque tu gagnes les titres, tu domines les matchs. l'arbitre a tendance psychologiquement à ne pas se faire contre toi. C'est un peu psychologique. Le Real de Madrid actuellement, il domine l'Europe. Il domine l'Europe. On parle d'une équipe qui remporte une Ligue des Champions tous les deux ans. Tous les deux ans, le Real de Madrid remporte une Ligue des Champions. C'est incroyable. C'est une stack vraiment folle. C'est un stack en Tous les deux ans, le Real de Madrid remporte une LDC. Lorsque euh, les arbitres arbitrent dans le Real, ils savaient très bien qu'une décision contre le Real peut être préjudiciable. Et pour siffler contre le Real, il faudrait vraiment que cette sanction soit vraiment justifiable et justifiée. Donc, pour moi, j'estime que le Real de Madrid, le arbitrage en Europe, n'est pas comme la Juventus de Turin, Ce n'est pas comme le Milan, ce n'est pas comme le PSG. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Real de Madrid, pour moi, l'arbitrage, il bénéficie légèrement de l'arbitrage. Mais pour le match contre le Bayern de Munich, pour moi, l'arbitre a très bien arbitré au match. L'arbitre, pour moi, il a très bien arbitré le match. Le but qu'on refuse au Bayern de Munich, l'arbitre avait à siffler. Et du coup, les jeux du Real se sont arrêtés. Les jeux du Real se sont arrêtés. Rien ne prouve que si l'arbitre ne siffle pas, un tacle peut-être de jeux du Real devait sortir et empêcher le tir, empêcher la frappe. Donc, les amis, lorsque l'arbitre a sifflé, c'est très difficile de se faire une analyse vraiment profonde. Mais si on veut analyser de manière globale, le Real de Madrid bénéficie légèrement d'un arbitrage favorable. À l'instar du Grand Barça de Guadeloupe en 2010. Parce que le grand Barça de Guadeloupe, il avait également le même privilège. il bénéficiaient également du même privilège. Après, partage-moi ton avis en commentaire, ton avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de pour ne manquer la prochaine vidéo qui va sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.